Aide-soignante, puis infirmière pendant 10 ans dans un grand hôpital parisien, est revenue à La Réunion pour être plus proche de sa maman. Depuis un an, c'est à domicile et dans son pays natal qu'elle a choisi de continuer à donner des soins aux malades et aux plus nécessiteux, en attendant de retrouver sa famille restée en métropole. La décision, ce n'est pas moi qui l'ai prise. La décision, c'est mon mari. Parce que le fait de, à chaque fois de voir ma mère tout le temps rentrer à l'hôpital, et puis moi dans un état où je pouvais très bien avoir un accident sur le périphérique, ne pas faire mon travail convenablement, quand j'étais en réanimation, donc c'est quand même une grosse responsabilité. Donc je n'arrivais pas à être concentrée. Des fois je pensais à ma mère, il va arriver quelque chose. J'arrivais après une nuit de garde où on m'appelait en me disant que ma maman allait certainement pas passer la nuit ou la journée. Alors donc je reprenais l'avion le soir pour arriver ici à La Réunion. Ça a duré deux ou trois fois comme ça. Et puis un beau jour, je ne pouvais plus. Il fallait qu'absolument que je sois auprès de... Ça a été un déclic, que je sois auprès de ma maman. Alors le marché à la nuit hier. Est-ce que vous pensez que c'est mieux que le malade soit dans sa famille? Oui. Moi, je suis pour, parce que bon, ben, le malade est dans sa famille avec son entourage, ses habitudes, les visites. Enfin, il est dans son monde, il est pas dans une chambre impersonnelle à l'hôpital. Bon, quand c'est vraiment, vraiment nécessaire, où il n'y a pas tout ce qu'il faut, tout le matériel nécessaire, c'est mieux d'être à l'hôpital. Mais quand c'est vraiment pour juste un suivi où on peut presque plus rien faire, c'est mieux que la personne soit chez elle. Allez, on finit, mademoiselle Maladou. Hop. Voilà. En métropole, on a tendance à les mettre dans des maisons, c'est-à-dire des maisons médicalisées, avec un personnel hospitalier, avec un médecin qui passe de temps en temps. Enfin, il y en a, ils ont des médecins quand même sur place, hein, mais moins chez la famille. Et tandis qu'ici, à La Réunion, les gens sont plus chez eux. Je pense qu'à certains moments, ils voulaient créer des locaux pour justement éloigner les personnes âgées de leur famille. Mais je pense qu'ici, au niveau mentalité, c'est pas possible. Les gens, dès que les parents sont malades, pour eux, c'est à la maison. Le grand-père, la grand-mère ou même une maman. Moi, je rencontre des gens très jeunes, hein, qui sont handicapés, mais qui sont chez eux. Ils ne sont pas forcément dans un service pour handicapés. Ils sont dans leur maison, ils vaquent à leurs occupations, ils ont la famille, ils vivent. Même s'ils n'arrivent pas à parler, ils sont là, ils sont présents. Ça, c'est formidable. Alors, petit chien, allez, viens, 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 viens. J'ai des gens qui s'occupent beaucoup de leur famille, qui sont après leur famille, qui se dévouent, qui restent là, qui s'occupent de leurs parents, qui savent très bien que la maman va être là ou le papa va être là pour un certain temps, qu'après demain il n'y aura plus rien. Donc ils font tout pour, mais ils ne parlent pas d'hôpital. J'ai eu des gens aussi qui avaient leur famille qui était hospitalisée et qui ont ramené leur famille chez eux pour s'en occuper. Ça, c'est le côté réunionnais. Où les parents, vraiment, si la maman ou si le papa meurt à l'hôpital, c'est vraiment parce qu'ils n'étaient pas prévenus ou il y avait un empêchement ou c'est arrivé trop vite, comme ça. Mais sinon, en général, les gens ramènent leur famille chez eux. Et ça, c'est formidable. C'est ça que j'apprécie beaucoup, moi, ici. Il y a des gens qui sont capables de se sacrifier. Moi, je connais des jeunes filles. Comme la fille qu'on vient de voir tout à l'heure, elle s'est sacrifiée pour sa maman. Ça, je trouve ça formidable. Elle est là tous les jours, elle n'a pas de loisirs, c'est-à-dire qu'elle ne voit rien. Nous, on est là, on sert un peu pour lui amener tout ce qui est à l'extérieur, quoi. Elle s'occupe de sa maman tout le temps. Si, par exemple, elle doit s'en sortir, il faut qu'elle emmène sa maman avec elle. Donc, moi, je trouve ça formidable de voir... C'est-à-dire, à La Réunion, il y a des extrêmes. Il y a des gens qui laissent carrément leur famille dans un coin, où il y a d'autres personnes qui sont tous sont vraiment, vraiment
après, autour. Après avoir travaillé à La Réunion pendant un an en tant qu'infirmière libérale, est-ce que vous serez capable de travailler à nouveau dans un grand hôpital parisien? Dans un grand hôpital, non. Non. Non, je vous dis catégoriquement non. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je pourrais travailler un jour, deux jours, dans un service de réanimation. Je ne veux pas dans un service autre. Hein. Ça, oui, je ferai un jour, deux jours, à la rigueur, une semaine. Mais dire que je vais m'en aller, quitter ici, repartir travailler dans un service de réanimation, me retrouver comme ça, non. À la rigueur, je préfère, dans ce cas, travailler dans un service d'urgence sur le terrain, ici. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un petit moment à vous? Mes moments de loisirs, là, j'en ai peu pour le moment. Mais le peu de temps que j'ai, bon, c'est la musique. Ça, c'est mon passe-temps favori. C'est chanter. D'ailleurs, c'était mon premier métier. C'est ce que je voulais faire. Bon, ben, la vie a pris le dessus. Il fallait avoir un métier, une famille et tout. Donc, j'ai tout laissé un peu de côté. Mais maintenant, je travaille ferme. Alors, j'aimerais bien quand même allier les deux, mes deux passions, c'est-à-dire ma vocation, c'est-à-dire le métier d'infirmière et puis la musique. Est-ce que vous composez? Oui, énormément. C'est-à-dire, c'est tout ce que je ressens en général, je le mets sur papier. Et c'est par des clics, ça arrive comme ça, j'écris énormément. Des textes, tout ce que je vois, je mets en chanson, en texte. Vous avez déjà eu possibilité de chanter sur scène? Oui, énormément. Oui, énormément. J'ai fait partie d'un groupe il y a quelques années, où les quelques personnes avec qui je chantais ont percé, et à Paris. Et après, j'ai fait partie toujours à Paris d'un autre groupe capverdien. Où on a fait quand même pas mal de scènes aux États-Unis, en Hollande, au Portugal, dans Paris. Et après, donc j'étais avec un Cap-Verdien et un de la Guinée-Bissau. C'était quand même bien une très bonne expérience. Et après, bon, j'ai fait quelques des clips. Et sinon, ici bon, je suis en train d'entamer mes petites chansons à moi. Je vais faire un petit, tout petit refrain, vraiment pour un moment. Mais j'ai vraiment pas le cœur, hein, je vous le dis. Hein. Alors, serre, out maman dans out bras. Jordi, il est là, jusqu'à quand on connaît pas. Serre, out maman si out cœur. Nana rien qu'un dessus la terre. De toute façon, n'importe comment, on joue le rôle de social. S'il manque quelque chose, on est là, on appelle. S'il manque les médicaments, on va à la pharmacie, on va chercher les médicaments. Tout ça, on fait tout ce rôle-là. Il faut regarder tout. Il faut vraiment s'occuper du malade de A à Z, quoi. Bon, d'accord. Et la famille doit aussi apporter une grande participation. C'est pour ça d'être bien avec la famille, de bien s'entendre avec la famille, d'avoir vraiment cette collaboration-là, quand tu t'en vas, moi j'ai le cœur tranquille parce que je sais que derrière, je laisse un patient, ben, la famille va s'en occuper. Si je pars, je sais que le malade va rester comme ça et je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Je ne suis pas tranquille, moi, je ne vais pas rentrer chez moi avec l'esprit tranquille. Je suis comme ça. Et d'ailleurs, on m'a déjà dit que j'investissais trop, que je donnais trop de moi. Il fallait que j'arrête ça. Que j'ai un jour, c'est moi qui vais payer de ma personne. Mais c'est pas grave, ça, je m'en fiche. Moi, j'ai le cœur léger.